Madame a dû toucher le rein ou un truc comme ça. Elle fait une septicémie. Comment tu te sens, petite sœur? J'étais bête. C'était une gosse. Juste une gosse. C'était juste une gosse. Avec un gros couteau. Hé, hey, aide-moi. Allez. Mm-hmm. Ok, viens. Merde. Encore une fois. Où le filet avant qu'ils arrivent? Faut qu'on monte sur le toit pour faire signer ces hélicos. Et je m'en occupe. Attendez, aidez-nous, elle est blessée. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a... Elle a pas le truc qui touche les autres. C'est un coup de couteau. Je peux plus prendre personne. Ok, écoutez, O'Brien. Si on la conduit pas à l'hôpital, elle va y rester. Il n'y a plus aucun hôpital. Comment ça, plus d'hôpital? Vous avez des docteurs, un tri des blessés, des militaires? Hey, écoutez, je suis en dernière année, ok? Je me suis porté volontaire, je suis même pas censé être là. Ryan. Ok, merde. Je peux prendre que deux personnes, ok? Deux. Quoi, vous avez de la place que pour deux? On est en surcharge, ok? Je peux en embarquer que deux, c'est tout. Ok. Allez, aidez-moi, allez! Ma chérie. Ça va aller. Tu vas t'en tirer. Je m'en occupe. Je reviens tout de suite. Ok, Boozer. On y va, faut qu'on embarque. Faut qu'on monte dans les... Dans le grand nul, gars. Ils ont de la place que pour deux à bord. Alors vas-y. Va avec elle. Je vais m'en tirer. T'inquiète, j'en ai vu d'autres, pas vrai? Hein? Ouais, c'est vrai. Vous allez où, là? Quoi? Vous allez où? Au camp de réfugiés, Swiftinger Jack, à l'ouest. Non. Boozer s'en sortira pas si je pars avec vous. Attends, attends, coupe ton moteur. Merde, elle est vivante. Alvarez. Et Alvarez. Alvarez, qu'est-ce qui s'est passé ici? Hein? Qui a fait ça? C'était un coup des Reapers?
couvre-moi. Je te suis, mec. Il est parti par là. Allez. Où est-ce qu'il va? Y a rien ici, par ces saloperies de mutants. Je me suis peut-être planté à son sujet. Il a peut-être pas de deal avec Copland. Non, ça fait un bail que Léon fourgue du matos à Copland. Ça finit par le rattraper. Hé, hey, hé, hey, attends, doucement. Doucement. Merde. Bon, ok. Alors... Attends, attends, là. C'est par là. Les traces sont fraîches. Au fait, où t'as appris à pister comme ça? J'allais chasser l'élan avec mon vieux quand j'étais môme. On pistait des bêtes sur les kilomètres. Merde, à couvert! Hein, frangin? Ouais, ouais, ouais. C'est juste une égratignure. Ce fils de pute vise comme un pied. Putain de merde. Ça va, Boozer. Il a sûrement pris par là, vers la cascade. Piste le sang. On ira pas loin, allez, viens. Fouille-le. Tu te vides, hein? Sale façon de crever, c'est lent. Et ça fait un mal de chien, mais ça tu le sais déjà. Elle était encore en vie quand on l'a trouvée, fils de pute. J'allais sûrement pas gâcher une balle pour elle. Attends, attends, on s'énerve pas. Où sont les médocs? Léon, si tu te mets à table, moi au moins, je te promets que tu auras droit à une mort rapide. Je crois que tu souffriras pas très longtemps. Léon, je t'explique, t'as un petit souci. Il flaire ton sang qui coule. Et de très très loin, à ton avis, ça fait quel effet, hein? De se faire étriper. Et bouffer tout cru. Il va pas tarder à le savoir. Va te faire. Adieu, Léon. Attendez, attendez! D'accord, d'accord. Partez pas. C'est juste... là, tiens. Où ça? Dans le cimetière. Je les ai cachés dans le vieux cimetière. Merci. Ça veut dire que... Vas-y. Ne laisse pas clamser comme ça. Vas-y. Fais-le. Enfoiré de menteur! Doug voudrait une preuve pour la prime. T'as pris la bonne décision, mon frère. Pas question de laisser quelqu'un en butant. Même un foiré comme Léon. Hé, hey, minute. Je veux fouiller ce camp, au cas où il y aurait de quoi me rafistoler. Ça peut toujours servir.
reste à combiner les deux. Ouais. Voilà, comme ça, ça devrait le faire. C'est pas aujourd'hui que je perdrai mon bras, on dirait. Je pensais qu'on irait chasser cette nuit et rapporter quelques primes à Tucker. Pas s'il pleut des cordes, frangin. On a besoin des crédits. Faut qu'on fasse des réserves de matos. Ouais, d'accord. Mais je veux pas passer toute la nuit dehors. La vache, je manque d'exercice. Je vais voir si je peux prendre des pièces. Quoi? Le fils de pute. C'est l'arrivée d'essence ou tu t'es pissé dessus? La pompe à carburant. Léon, ouais, il m'a flingué ma pompe en fluor. Ça donne quelque chose, sa moto? Non, elle est foutue. Écoute, on n'a qu'à retourner au Mont O'Leary. Demain matin, on ira te trouver des pièces détachées pour ta bécane. Non, je crois que j'ai une meilleure idée. Autant s'en occuper tant qu'on est là. Quoi? Chez Crazy Willy, c'est pas loin d'où on est. On a qu'à y faire un tour. C'est quoi ton plan? On devait sortir chasser cette nuit, non? Chez Crazy Willy, c'est aussi bien qu'ailleurs. Ok, ça roule. Hey! La file est quoi, Léon? Une espèce de carte. Quand on aura récupéré ma bécane, on ira fouiner du côté du cimetière. Ouais, ça roule. Bon, demain, on récupère les médocs, on les rapporte à Tucker et on collecte la prime sur Léon. Après, on file vers le nord. Et tu penses que c'est différent dans le nord? On s'en fout, ça nous ferait du bien de nous tirer d'ici. Attends, la route est bloquée! Fais gaffe! J'ai vu un piège de ce genre il y a deux jours. Les Reapers avaient barré la route avec une vieille camionnette. Allez, aide-moi à la bouger. Approche du vieux checkpoint du Nero. On y est presque. Eh merde, qu'est-ce qu'on fout là? File-moi ton fusil à pompe, je passe devant.
dirait qu'ils se sont retrouvés acculés au checkpoint. Et ça a plutôt mal tourné pour eux. Mais t'as plutôt fini à 6 pieds sous terre avec ces foutus pionniers. Ouais. Bon sang. Regarde-les. Quelle bande d'abrutis tout ce temps qu'ils sont. On dit aux fédéraux qu'ils attendraient bien sagement que la Horde vienne les bouffer ou quoi? C'est moche de partir comme ça, dans un trou à rats de ce genre. Tu sens ça? Oh putain! Ouais bon. Allez, viens, on se tire. Attends une seconde. Il te reste combien de molotov? Laisse, on verra ça au retour. Ouais, ouais, c'est ça. Va chier. Je rêve, tu cherches vraiment la merde. Et tu l'as trouvé, on dirait. Péter mon fusil. Ouais. Ok. Ok. Tu vas y retourner, hein? De quoi tu parles? Au putain de camp de réfugiés. T'agis comme ça que quand tu penses à y retourner. J'agis comme quoi? Il n'est pas responsable de sa mort. Laisse tomber. Il était monté dans l'hélico avec Sarah. Ce qui aurait changé, c'est que tu serais mort aussi. Laisse tomber, je te dis. On passera pas par là. Hé, hey, essaie ce tunnel de service. Vois si tu peux nous dégager un passage par l'autre côté. Ça marche! Braque ton phare par là-bas! Yeah.
à moi les primes. Ça peut toujours être utile. Encore des mutants! Encore un nid. Ouais, je le sens. Il te reste combien de Molotov? Tu viens d'utiliser le dernier. Et il te reste de quoi en faire? Ouais. Ce sera pas lent. Ça fera l'affaire. Allez, grimpe. Ouais, j'arrive. Réfléchis à ce que t'as dit, de partir vers le nord. Moi, ce que je dis, on devrait se tirer d'ici. Ça te changerait des idées. Demain matin, on récupère les primes et on met les voiles. Viens parler, frangin. Ça me plaît.
Bienvenue à la foire aux monstres. Merde. Ça grouille de partout. Tu vas traverser le patelin pour en attirer un maximum derrière toi, ok? Et moi, pendant ce temps, je passe derrière la butte pour rejoindre le garage. Putain. Non mais laisse-moi juste le temps de trouver les pièces dont j'ai besoin, ensuite tu reviens et on se tire en vitesse. Quand j'en aurai refroidi quelques-uns. Sérieux, t'as vraiment envie de crever? Comme je te disais, pas aujourd'hui. Allez-vous dans le coffre! Allez, c'est ça! Je suis là, sa caméra! Papa ! Saleté de tétard. Allez, fichez-moi le camp, saloperie. C'est ça. Restez là-bas et on va bien se battre. C'est quoi ça? Ok, c'est bon.
Attends. Ça avance, frangin. T'es prêt? Pas encore. Faut que je trouve comment accéder au garage. Il y aura sûrement une pompe à carbu. Bon bah grouille-toi. Je viens de passer un de ces... Comment t'appelles ça déjà? Les trucs que les Reapers accrochent. Des totems. Ouais. Ça veut dire qu'ils sont dans les parages. C'est bien ce que je pensais. Merde, condamné. Faut que je trouve un autre accès. Il y a peut-être un passage par le toit. Chier.
C'est ça. Bonne nuit. Il doit bien y avoir une pompe à carburant quelque part. Boozer, t'es là? J'ai trouvé la pièce. Je me dirige vers l'autoroute. Dick! Des Reapers! Des Reapers! Non, non, non! Ah 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 merde! Des Reapers! Boozer! Boozman! Oh, c'est pas vrai! Tiens bon, Boozman, j'arrive! Merde! Des Reapers! Je les entends. Ces tatouages sont les symboles mortuaires d'un homme mort! Les symboles des égarés! Lâchez-moi! Pas de fils de pute! Hé, Motard! Tu dois être déchu, Motard! Car tu es égaré et nous avons été trompés! On va te montrer. Toi, ça va être trouvé. Tu es égaré. Renonce. Renonce. Renonce.
dessus. Marche arrière. Loser. Attends, je vais te faire la peau jusqu'au dernier, putain. Oh, c'est pas vrai. Et merde. Attends, je t'aide. Non, mais c'est bon. Arrête, fais pas. Ah. Ouais, allez, debout. Foiré de l'épreuve. Faut pas qu'on traîne. Non, Rémi. Je m'attendais, je sais pas plus tard. Ils sont tombés dessus, j'ai rien compris. Oh, ok. T'as vu mon bras? Regarde pas. Putain, mon bras. Je suis sérieux, regarde pas. Le regarde pas, je te dis, allez, monte! Ah, la vache! Allez, allez, allez! Bonsoir et des peurs! Putain, j'ai cru qu'on n'y arriverait jamais. T'as qu'à m'attendre ici. Je vais m'assurer que la voie est libre. Dans tes rêves, j'entends ma couchette qui m'appelle. Bon, ça a pas bougé depuis qu'on est parti. C'est pas comme s'il y avait grand chose à voler. Je vais refaire connaissance avec le mobilier. Oh, oh, ça fait du bien. Je ressors chercher ma bécane. Et aussi des trucs pour ton bras, ça va aller? Ouais. Cool. Ouais. Je vais faire un saut au checkpoint du Nero. Ils doivent avoir des bandages stériles ou... Attends, je laisse pas ma bécane là-bas. Non, 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 t'inquiète. Je vais y aller à pied tant qu'il fait encore jour. Hé hey, j'ai des munitions, si tu veux. Dans le casier près de la porte. Merci. Hé hey, laisse mon fusil à pompe. Hé, hey, Boozer. Ok, tiens. Voilà. Merci, frangin. Je me sens à poil sans lui. Sans Boozer, l'état de ton bras va s'aggraver. Fais chier. Faut que je trouve de quoi soigner son bras. Je vais pas prendre la moto de Boozer. Faut que je retrouve la mienne avant la tombée de la nuit. Bordel de merde. Boozer, t'es réveillé? Ouais, Dick. Quoi de neuf? Hey, je viens de voir un type fureté près de la planque. Quoi? Qu'est-ce qu'il fout là? Je sais pas. Bon, écoute, je vais le suivre et essayer de voir s'il y en a d'autres. Terminé.
de la trouver. J'avais raison. Les deux drifters qu'on a vus sur la même moto, ils se cachent un peu plus loin sur la route. Ah ouais? Tu déconnes. Ils ont une planque de fou. Une sorte de tour de guet avec une clôture et tout. Reste plus qu'à leur prendre. Ça a l'air cool. Moi, je dis qu'on attend la nuit. On bute ces deux clowns et on s'installe pépère. Hein? Tu sais qu'ils sont armés? Un des deux a l'air salement amoché. Je dis qu'on peut se les faire. Ouais, allez vous faire foutre. Hey, comment ça va? Bon. Merde ! Je vais te buter, Victor. C'était le dernier. Ils ont dû nous suivre jusqu'ici. Foiré. Approchez pas du mont, Larry. Boozer, j'ai trouvé leur camp. Non, juste des drifters qui voulaient nous piquer notre planque. Ça se confirme. Il serait temps de songer à bouger vers le nord. On s'occupe d'abord de ton bras. On verra après pour tailler la route. Je retourne vers ma moto. Terminé. Encore des munitions.
saloperie de mutant. Putain, manquait plus que la pluie. Quand c'est pas les mutants, faut qu'il pleuve. Pourquoi ? Il faut toujours qu'il pleuve. Où est-ce que je suis ? Je dois plus être loin. Toujours utile. Putain, manquait plus que la pluie. Quand c'est pas les mutants, faut qu'il pleuve. Pourquoi ? Il faut toujours qu'il pleuve.
que je suis. J'ai pu être loin. Les primes. Qu'est-ce que t'as fait tomber? Faut que je retrouve ma moto. Je dois plus être loin. Je me rapproche. Allez, ma belle, où t'es passé? Voilà, j'y suis. C'est là que je l'ai laissé. Ma mécane. Putain! Chier, Copland! Hey! Tu viens du camp de Copland? Oh, où est passée ma moto? Hey! Arrête-toi, putain de merde! J'ai pas piqué ta moto, mec! Je te jure! Je vais pas te buter! Arrête-toi, bordel! Oh, bordel de merde! Hey! Je veux juste ma bécane. Ok, là, je vais buter. Loser, t'es là? Ouais, Dick. T'as trouvé ta moto? Non. Les hommes de Copland ont mis la main dessus. Je me dirige vers son camp. Terminé!
Saint John, c'est toi? Un fils de pute a piqué ma moto! Tu es pas au courant. Tu devrais parler à Manny. Ouais. Ok. C'est lui que je voulais voir. Salut. Hey, beau boulot. Ok. Ok. On se voit plus tard. Ouais, ok. Ouais. Salut, Manny. Salut, ça fait un bail que je t'ai pas vu. Ou alors, j'étais trop occupé. Trop de taf. Faut bosser dur ici. Eh ouais, la vie de campeur, quoi. Tu l'as dit. J'ai lu un livre une fois, Le Zen et l'art de la mécanique. Tu connais? Non, on peut pas vraiment dire que j'avais le temps de bouquiner à l'époque. Tu sais, je tenais un garage à Farewell. Je le faisais lire à tous mes mécanos. Être mécanicien demande de la sérénité, que ça disait. Essaie de bosser l'estomac vide, ça tranquillise l'esprit. Manny, je cherche une bécane. Ouais. Oh là, tout doux. Je te déconseille celle-là. Pourquoi pas? Parce que elle vient juste d'arriver. Un abruti l'avait abandonnée dans la nature. Elle est bien rouillée. Elle a été malmenée. Son proprio devait rien y connaître en moto. Sans mec. Je te jure, elle a dû en voir de belles. Là, on vient juste de la désosser. Elle avait même pas de pompe à carbu. Ça aurait pu nous servir. Ouais. Et une pompe à carbu comme celle-là, tu veux dire? Ok. Comme celle-là, Manny. Ok, ok. Quand j'ai dit abruti, je parlais du type qui nous a ramené ce petit bijou, tu vois. Il l'a pas arrimé correctement. Du coup, elle a été secouée dans tous les sens à l'arrière et... Dick, faut qu'on parle. Du grabuge, on dirait. J'ai essuyé une grosse attaque hier soir, quand des Reapers. C'est la deuxième fois. Moi qui pense qu'il vous cherchait à plusieurs éclats. Oh, les gens disent des tas de choses dans le No Man's Land. Les gens s'entraident ici. Mais quand on manque de vivre, qu'est-ce que ça donne? Vous êtes en pénurie? On pêche de la truite, la fonte des neiges alimente le lac. Et sans personne pour le réapprovisionner, on finira par en manquer. C'est comme pour tout. Quand j'étais gamin, j'allais chasser avec mon père. On construisait une cachette. On posait des pierres à sel. Et on faisait un vrai quartier. L'hiver, on croulait sous la viande séchée. On sait que c'était pas légal d'appâter les cerfs, à l'époque. Mon père obéissait à une seule loi. La Constitution des États-Unis. Si vous voyez aujourd'hui, l'Amérique, le pays de la liberté. Tu l'as dit. J'ai vu Léon l'autre jour. Ah ouais? Ouais, il avait quelque chose pour moi. C'est vrai? J'ai des gens qui souffrent ici, Dick. Ah, ce Léon-là! D'après toi, qu'il a mis les voiles, personne l'a vu. Écoute, tu trouves son matos, tu me le rapportes en main propre, Dick. Si tu fais ça, alors je verrai ce qu'on peut faire pour toi. La moto que tes gars ont volée, tu sais, celle qu'ils ont désossée. Récupérer, Dick, récupérer. C'est ça. Je tâcherai de m'en souvenir.
Sympa ta casquette. Quoi ? Là, celle-ci. Je t'interdis de me toucher. Une petite minute. Léon avait la même casquette, non ? Oh putain, je te jure. La ferme. Tu veux faire des affaires dans mon camp ? Commence par me rendre service. Groupe. Fais chier. Ok. Puisque je suis là, qu'est-ce que tu veux ? Je préfère ça. Des drifters attaquent mes expéditions de ravitaillement. Ils sont dans la tour radio à l'est du mont O'Leary. C'est pas sur ton territoire ? Non, ça l'est pas. Mais je vais m'occuper d'eux. C'est ce que j'espérais. Anniversaire, Cope. On dirait qu'il a bien le gosse. Ouais, Cope. Personne ne nous prendra nos flingues maintenant, hein. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Dick. Attends, je voulais juste te dire, je suis désolé. Je savais pas, je te jure. Est-ce que t'as la moindre idée du temps que j'ai consacré à cette bécane ? C'était une moto de drifter, Manny. Je sais. Je vais me rattraper, je te jure. Je t'ai monté une nouvelle moto. Parce que t'oses appeler cette merde une moto ? Ah, je sais, en l'état... Écoute, je vais te décoter des pièces détachées. Je vais t'arranger le coup. Crois-moi. Ok. Et pour mon réservoir perso, Manny ? Celui que ma femme m'a offert quand elle était encore en vie. Pour ça aussi, tu vas m'arranger le coup ? Putain, Dick, je suis désolé. Vas-y, dégage de mon chemin. Écoute. Manny, c'est fait. Besoin d'un truc en particulier ? Je reviens tout à l'heure. Bah alors, pas assez de crédit ? Ok, mec. Qu'est-ce que tu fous là ? Comme tu veux, Manny. Attends, voici nos prévisions météo. De la pluie. Sérieux, je t'ai déjà dit. J'ai rien fait, moi. Manny, écoute. Sérieux ? Putain, c'est pas une bécane, ça.
drifteur. T'es là? Ouais, Dick. Comment ça va? Et ton bras? Je te l'ai dit, je survivrai. Ok. Bon, je vais quand même voir au checkpoint du Nero s'il y a des bandages stériles, la pommade ou un truc du genre. Ok, pas de problème. Je vais sortir pour vérifier qu'il n'y a personne dans le coin. Non, bougeur, non! T'es brûlé au troisième degré. Reste où t'es, repose-toi, d'accord? J'arrive le plus vite possible. Je crois que... Je dirais pas non à un truc contre la douleur. Ouais, si tu m'étonnes. Je vais voir ce que je peux trouver, je vais essayer. Saint-John, ici Cope. Tu seras à la tour. La liaison radio a été coupée. Je peux te payer pour la rétablir. Tu les connais ces types ou quoi? Parce que faire taire Radio Libre Oregon, ça me semble assez personnel. Tu m'étonnes que c'est personnel. Ils faisaient partie de mon camp. Apparemment, ça leur plaisait pas que je leur interdise de voler, de violer, de tuer. Ben, peut-être qu'ils étaient juste comme moi et qu'ils en avaient ras-le-bol d'écouter tes conneries de complotistes parano. Terminé? C'est là, le checkpoint du Néron. Faut que je trouve de quoi soigner le bras de Bowser. Vache! Voilà, on y est. Ah.
Générateur, il doit bien y avoir un générateur quelque part. Un générateur, il doit bien y avoir un générateur quelque part. Rien par ici. Bingo, le voilà. T'as de ferraille. Faut que je trouve de l'essence.
Et voilà. Ça y est. Stérile. Où est-ce qu'il rangeait ces trucs? Ouais, des bandages stériles. Pile ce que je cherchais. Il me reste plus qu'à ramener tout ça à Boozer. Tiens, salut toi. Injecteur, peut-être. Pourquoi pas? Je me sens déjà plus fort. Notre unité s'apprête à battre en retraite. L'ordre est tombé il y a quelques minutes. Tout ce qu'on a accompli ici, c'était qu'une perte de temps. Il y a des centaines de personnes infectées sur l'autoroute à l'extérieur de Fairwell. Pas moyen de les arrêter. Les checkpoints sont tous envahis. On se retire! Ok, j'arrive. Tirer avec tes potes. Bienvenue dans mon monde. Abruti. Boozer, t'es là? Boozer, réponds-moi, merde! Il répond pas. Où est-ce qu'il est passé? Ça doit le faire.
la vache, Cope. Merci du tuyau. Je fais ce que je peux. Terminé. Fais ce que tu peux, enfoiré. Hé, hey, Boozer, j'ai trouvé des trucs pour ton bras. Boozer ? Merde, Boozer ! Hé ! Putain ! Bordel, Dick. J'aurais pu te faire sauter ta tête d'abruti. Bon, montre-moi ton bras, d'accord ? Non. Non, c'est bon. Allez, fais voir ton bras. Je gère ! Hé ! Putain ! Hey, Dick. Merci, mec. Écoute, j'ai moins tiré, d'accord ? Ça va aller. Et voilà. C'est bon.